Et donc, salut à vous, mes petits paldiens. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième épisode de TTG Card Shop Simulator. Alors, dans cet épisode, on va essayer de se rendre un petit peu plus loin que l'épisode précédent. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, on va se charger notre petite partie. Vous allez voir, j'ai rajouté quelques petits modes aussi. Et je vais baisser un petit peu le son parce que je me suis rendu compte qu'il était un petit peu trop fort lors de l'édition de la vidéo. Alors, le premier mode que j'ai mis, ici on voit le statut. Fait qu'on voit, mettons, qu'on peut avoir 6 customers maximum. Voilà. On peut... Oh, on est rendu à total 7 sur 7. OK, on a ouvert et puis on en a un de plus. Alors, si on fait F1, voilà, j'ai rajouté... Part seller, non. Custom customer. J'ai rajouté ça pour voir qu'est-ce que ça fait. Puis j'ai rajouté aussi fast workbench. J'ai pas rajouté autre chose. Je me suis dit que c'est en masse. 4$. Merci. Je vais juste aller faire de quoi ici dans le champ de vision. Ça a strictement rien changé. Ok, 18. Fait que 5, 17, 18. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai changé un petit peu mes settings de mon son. Oups. C'est vrai, on avait un employé. On va juste aller lui dire quoi de neuf patrons, réapprovise. Puis non. Voilà. Ok, il me faut de tout à zapom. Acheter. Ça, il me faudrait ça aussi. Avant d'acheter, il faudrait que je check qu'est-ce que j'ai de besoin. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'achète une nouvelle licence. La petite licence que j'aimerais qu'on achète, c'est dans les figurines. C'est ça ici. On en a 3 qu'on pourrait déverrouiller. Ça coûte quand même très cher. Mais j'aimerais qu'on les déverrouille. Oh, j'ai du monde à la caisse. Voilà, 8, 5, 6, 7 et 8. Merci. Bonjour, madame. 5$ pour vous. Merci. Fait que ça, il faudrait que j'achète ça. J'aimerais acheter aussi ça parce que je veux m'ouvrir des packs. Bon prix. On peut même savoir combien de cash qu'ils ont. C'est bon, ça. On ouvre un petit peu de packs parce que on est à 346. Je sais pas quel défi d'ouverture de pack que me donne, mais... Bon. C'est pas trop ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ouais. Les packs aujourd'hui... Oups. C'est pas... Oups, attendez. F pour lancer. C'est pas trop ça. J'ai pas quelqu'un pour restocker qui fait pas vraiment sa job, hein? Ok, il y avait déjà une boîte. Voilà, 52$, monsieur. Merci. Oh! Ok, il y a quelque chose qui fait en sorte que ça le marque automatique de ce que j'ai vu. On va voir. Eh oui, toi! J'ai aucune idée c'est quoi qui fait faire ça. Mais on s'en plaindra pas. 17 à monsieur, merci. Parfait, on peut ouvrir des packs. Est-ce qu'on peut avoir un gros hit? Des 281 pièces. Je veux voir si je vais avoir quelque chose de bien. Je vais peut-être faire 2 épisodes, une à la suite de l'autre. Oh, j'avais déjà préparé ça l'épisode précédent, ok. Ok, il a pris mes boîtes. Mais ça va aller encore mieux parce que mes figurines, j'aimerais les mettre ici. Fait que customer total, je vais en avoir 10 maintenant. Pourquoi que ça change, je n'ai aucune idée. Bonjour madame, pour faire 70$ madame, merci. J'ai un mode qui est censé de me restocker ça automatique, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. On va le faire par nous-mêmes. J'aimerais aussi peut-être agrandir... Oh, j'ai des factures à payer dans 2 jours. Combien 400 cakes? Eh boy, pas les moyens, moi, je suis pauvre. Reno Grande. J'aimerais extendre notre magasin. Pas tout de suite. Oh, il y en a un qui pue. Oh, attends, puante. Pas un mauvais prix, je le sais, je le sais. On va ouvrir des packs. J'aime quand on ouvre des packs. Bonjour, monsieur.
Vous avez acheté quand même du beau produit, ça va vous faire 44$. Je vous dois 16, ok. Voilà pour vous, monsieur. Ça, 43, il m'en faut. Oh my god. On en a acheté deux. Ça, je peux juste l'acheter en solo. Il y a quelque chose que j'ai hâte d'avoir. C'est ça ici, c'est niveau 11. J'y suis bientôt. Puis il y a ça aussi, l'établi. L'établi, ça, on va en avoir besoin. J'espère que les cartes vont se faire vendre assez, quand même assez rapidement. Ça l'avait... aucun rapport ou aucune logique comment j'ai dit les choses. Mais c'est pas grave, c'est ça la beauté de la chose. Bonjour madame, 24$, merci. Je vais aller regarder ici. Et il me semble que... Art Seller. Ouais, c'est ça ici. C'est censé de... Ah, non, ça c'était Colette. Correct. Je ne sais pas. Bon, ça se peut que ça fonctionne pas ou c'est juste le matin que ça restock. Ou sinon, j'ai juste... pas de carte à plus de 100$, je pense, sinon. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça le problème. Faudrait que j'achète encore plus de packs. Bonjour, monsieur. Une carte. Oh, 750, 730$. OK. Ben, avec ça, on va acheter ceux-là. On va acheter les troisièmes. Que je me dis, peut-être une meilleure chose. Mais remarque, j'ai peut-être fait une erreur. Mettons, 1, 2, 3. Ça se vend juste 16$ pour le prix de la boîte. C'est pourri. Je me fais juste 7$ de marge. Ça l'a monté un peu. OK. Bon. Je pensais qu'on s'aurait fait plus d'oseille, mais... Avoir su, j'aurais acheté les autres. 50$, merci monsieur. Oui, j'ai des packs. Il y a quelque chose, par contre, que j'aimerais regarder. Il y a de quoi qu'on peut activer. Pour moi, c'est du cheat, fait que je le ferai pas. Mais je veux l'essayer. Bonjour, monsieur. Quelle carte vous m'achetez? Deux belles petites cartes. OK. 800. OK, bon. Fait qu'on va acheter cette figurine-là. On n'a pas assez pour l'autre. On a acheté deux parce que je suis comme vraiment pas sûr. Je vais aller leur stocker. OK. 34. Hey, ça se vend deux fois mieux que ça. Puis... oh my god, je me suis fait arnaquer. Il y a un mode aussi que je peux... faire en sorte que je peux bouger ça. OK. Fait que... c'est ça que je voulais essayer. Admettons, faut juste que j'essaie de retrouver si... je pense c'est ça. Oui. Held. Mettons que je le double. Je le mets à 16. Je vais juste faire ça. 100$, monsieur. 26. Merci. Oh, j'ai oublié 10$. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qui se passe? OK, ça marche vraiment. Je peux, entre guillemets, cheater comme ça. Je vais le remettre à 8 parce que... je trouve que ça a comme pas d'intérêt. Mais je voulais juste voir si on pouvait cheater entre guillemets comme ça. Si jamais on veut, on peut avoir plus de cartes. Dans les mains. 4 et 10. J'essaie d'ajuster aussi mon micro, hein. Et je peux le bouger. Ça, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. J'essaie un petit peu d'ajuster parce que ça aussi c'est nouveau pour moi. J'ai jamais eu de XLR. Je ne suis comme pas très sûr. 24$. Ça n'a pas vraiment fait grand chose le fait d'avoir agrandi. C'est tout? Hey boy. Les deux personnes qui jouent. Item total. Ok, on voit même. Lui, il y en a pour 269$. Je vais le valider tout de suite. 269$. Oh. Le mode, il est vraiment complet. Let's go. Faudrait que je pogne un beau petit hit. Des belles petites cartes, là. Et fait ça, là-dedans, il n'y a plus rien. Bon, on va ouvrir ça. Et aussi, j'ai mis des cartes de valeur 100 et plus. On va peut-être le diminuer, mettons, à 50 ou quelque chose comme ça. Peut-être le mettre, mettons, à 30. Ouais, je pense que je vais aller faire ça. Ça, je vais le fermer. Card sell. Sell greater than 10$. OK, ben, c'est déjà mis. J'ai comme l'impression que le mode est cassé. Ça n'a pas l'air de trop vouloir. 21$, mon petit monsieur, merci. Hello. 24$, merci. Hello. Oh. De petits produits. 17$ que je vous dois, mais si monsieur. OK, là, ça va être pour moi. Boom. Open. Ouverture de pack.
Dites-moi là aussi, les petits paladins, dans les commentaires, si vous êtes chaud. La sortie du nouveau Call of Duty va bientôt sortir, puis je comptais peut-être le faire en live ou faire une série de la campagne au complet. Encore en réflexion. Mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud ou comme de la braise. J'aimerais savoir. Et j'ai acheté quand même plein de petits jeux ces derniers jours. Et... oh, 102$. That's it. Et j'aimerais votre avis pour savoir si vous êtes intéressé. Je voudrais vous montrer la petite liste des petits jeux que j'ai achetés. Comme je vous dis, hein, je vais essayer de finir ce petit pack-là avant de continuer la prochaine journée. Il y a quelque chose que... oups, c'est pas ça. Je vais tout de suite acheter une prochaine extension. Oh, c'est rendu à 7. Hey, ok. Ok, fait que c'est bel et bien. J'ai comme l'impression qu'on peut... agrandir, ben quand on agrandit qu'on a plus de monde. Ok, fait que je vais tout de suite passer à la prochaine journée. Je suis dans le négatif, mais ça, c'est normal. Bon, toi, oui. Oh, j'ai oublié d'aller voir s'il y avait des grosses cartes, ben s'il y avait des cartes qui se sont mises. Il me reste un petit pack, je vais aller voir. Honnêtement, je penserais pas. Oh, non. Les cartes qui étaient déjà là, je pense. Je vais mettre ceux-là. Voilà. Plein de belles petites nouvelles cartes. J'en ai une à 112. Ça va être terminé. J'ai pas été voir non plus la valeur totale que j'ai en live. Il y a quelqu'un qui pue. Yo, ok, il est là. Dès que je rachète un petit peu de produits, attendez, j'ai 8 customers live. Avec 17$ pour vous. Oups, attends. Pas avec une pièce de plus. C'est un petit cadeau. 15$. Je vous dois 24. Merci. Bonjour, madame. Oh, ça vous tentait de jouer avec des petits jouets? Coquine. Ok. Ok, il me faudrait un push-push, ça, avec ça. Ok. Ceci, ça, c'est niveau 12. Je le suis pas encore. Ça avec des petits push-push, j'aimerais. Est-ce que j'ai besoin de dés? Oui, j'aurais besoin de dés aussi. J'aimerais m'acheter une nouvelle licence bientôt, mais j'ai comme pas l'oseille. Ouvrir ça. Oh, il y avait quelqu'un. Tu vas attendre, monsieur. Et ça, c'est vide. Je vous dois un beau petit 3$. Oh, il y a quelqu'un qui pue. Bah, t'es tout seul. Mais je vais quand même te faire push-push. Oh, un autre. Hello. Hello, madame. Je vais vous faire 6$. Merci. Hello, monsieur. Ça va vous faire 43$. Je vous dois 17. Merci. Ok, y a-t-il des petites choses ici? Non. J'ai deux petites cartes que je pourrais mettre, mais j'ai pas vraiment des grosses valeurs. Il y a quelque chose qui est quand même assez pressant à mettre, mais ils viennent les ramasser. Mais je vais l'aider un petit peu. Bonjour madame. Juste 42$. Vous auriez pu acheter plus? Et pour la peine, je vous donne juste des 2$. Playing at table. Est-ce que je peux changer mon événement? Et là, présentement, il est en standard. Oui, je peux le mettre en pauvre. Voilà. Oups, j'ai oublié de confirmer. Confirmé. Et demain, l'événement devrait me rapporter un petit peu plus de sous. Je vais acheter une nouvelle table. Comme ça, au moins, il y en a un petit peu plus qui vont pouvoir jouer. Voilà. Deux petites tables. Que veut, veut pas, c'est quand même bon parce que c'est du revenu passif. Je dois 28$, ma petite dame. Merci, bonjour.
30$. Ok, fait que ça, faut que j'en commande. Mon Dieu. Le stock, il part comme des petits pains. Fait que là, j'ai mis ça. Il me faudrait-tu autre chose? Ça, mets ça dans un autre menu. Il faudrait ça aussi. Et je pense que j'aurais pas assez de sous. 357. Peut-être avec lui, parce qu'il m'achète quand même beaucoup de choses. Oh, ben... j'aurais techniquement assez. Bon, là, j'ai assez. Sauf qu'il y avait les frais de 5$. J'avais assez, mais j'avais pas assez. Wow! On va faire 262, monsieur. Je vous dois 38$. Merci. Ok, il n'y a plus de cartes. Je vais en mettre un petit peu. De toute façon, c'est des cartes qui valent pas grand-chose. Voilà. Voilà, voilà. Oups. Je vais m'ouvrir un petit peu le pack parce que j'ai plus de grande valeur. Je vais aller regarder aussi combien de valeur totale que j'avais avec mes cartes. J'ai pas été regardé. Mais non, c'est pas table, c'est R. J'ai 2700$. Quand même, correct. Quelqu'un qui attend, mais j'ai des packs à ouvrir, il va attendre. Ok. Bonjour, monsieur. Fait que... holy schneidel. 82$, merci. Yo, madame. Ça va vous faire 14$, s'il vous plaît, merci. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Ça, je n'ai encore bientôt plus. Oh, j'ai quelqu'un qui attend en file. C'est pas grave, tu vas attendre. Mon Dieu, 42$, tu fous de la gueule de qui, hein? Le petit jouet, il a sauté. Maintenant, moi, je veux pas être ici, je m'enfuis. 6$. Merci. Il me faudrait 2 de ça. Voilà. Commandé. Moi, j'en ai plus, oui. J'ai une carte encore à 1000$ qui a pas été vendue. Merci, monsieur. Allô, madame. Je vous dois 4. Merci. Je vais me réouvrir tes packs. J'aimerais me rendre à 1000$ pour pouvoir pardon, acheter la petite table que je vous avais parlé un petit peu plus tôt. Oh, il y a quelqu'un qui attend. Ce serait vachement bien. Ouais, les packs aujourd'hui sont pas trop en notre faveur. 12 max. J'en ai 4 en train de jouer, fait qu'il m'en reste encore 8 techniquement qui peuvent arriver, je pense. Voilà. Un petit peu plus propre comme ça. À la rigueur, je pourrais peut-être en mettre un petit deuxième. Et combien que ça me coûte? Ça coûte 400$, c'est cher, bordel. Je pense que je vais attendre l'établi. C'est 1002, 4, 6, 8, 10. La même chose. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ceux-là, il y en a deux de plus. Ouais, ils sont pas fameuses. Ces petites tables-là. Ça va vous faire un petit total de 77. Je vais réouvrir les packs. Là, c'est vraiment pas forcément très... ouais. Pas que je perds mes mots, c'est juste que la barre sourdit un petit peu. Ok, ça, il m'en faut 7 R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 2 packs pour le petit monsieur. Merci, madame. Merci. 34$. Il m'en manque pas gros. J'ai tout de stocker. Il m'en manque un peu, mais à la limite, c'est pas très grave. Ce que je pourrais acheter aussi. Oh, monsieur. Faut me le dire quand vous êtes là, hein. Faut le deviner. On va en avoir 12 customers total. Bon ben, on va aller ouvrir des packs. Ouais. Donc les packs, ouais, pas trop ça, hein. Je sais pas si je peux déverrouiller les prochains packs. Ah non, il y a quelqu'un qui pue. Ah ouais, vite. Je vais remonter un petit peu le son parce que je l'avais un petit peu trop baissé. Ma petite carte à 1000$, elle veut pas se faire acheter, hein. Oh non, 19$, une pièce que je vous dois, merci. Next. Là, je pense que je vais les déplacer. Mettre ici parce que je vais mettre ma petite table
La petite table, il manque pas grand pièce. On va pouvoir bientôt. 27, correct. Voilà. Pas le mieux, mais ça se prend bien. Oh! 478, là on parle. Il y a encore quelqu'un qui pue. Décidément, faudrait que j'achète bientôt le diffuseur. Bon, avec lui au moins, je vais pouvoir m'acheter ma belle petite table, ma petite établie. Voilà. Et avec ça, les petits paliers, ça va être vachement cool parce qu'on va pouvoir faire des packs. Mettons, moi, je veux m'en conserver une. Et admettons que je voudrais des packs de 4$ et plus. J'en ai pas assez. Donc, 3$ et plus. J'en ai pas non plus. Ben, tiens. OK, ben, je peux complètement rien me faire. Non, c'est juste complètement buggy. On va voir où je relance le jeu, je pense. À moins que je peux le prendre, le reposer. Non, ça l'a buggy complètement. C'est drôle, ça. Je vais sauvegarder le jeu. Au cas où que fasse quoi que ce soit. Merci. À moins que ce soit ici. Que j'efface Workbench. Ouais. Ici, la speed, je vais le mettre à... OK, je peux le mettre à 10. C'est peut-être ça qui buguait, en fait. Non. C'est bizarre. Peut-être le mode qui fait que ça bug. Je vais finir la journée. Je vais redémarrer. Pour voir. Good. Je vais re-sauvegarder le jeu pour être sûr. Menu principal. Oups, non, pas de nouveau. Charger, 8-8, ok, tout est correct. Et là, je peux. C'est bizarre. Que c'est comme si qu'il voulait pas. Mais vous savez quoi? Je fais une petite ellipse, je vais aller enlever le mode pour voir si c'est lui qui porte problème. Et puis, je vous reviens. Ah, there you go. C'est bel et bien le petit truc. Ok, ça se vend 12$. Ils ont fait une patch. Et mon jeu, il est rendu en anglais, ben à moitié. C'est drôle. Là, maintenant, mettons que je veux faire... Non. Ça, non. Je veux faire en bas de 3$, non. 2$ non plus. OK. Je vais me faire une petite boîte mauve. Je sais pas si je peux m'en faire un deuxième. Celui-là, elle se vend combien? What? 168 balles. Jour 9. Va tout de suite ouvrir. Hey! Moins 50$. Pourquoi, bro? Si, mettons, lui dit de me garder comme, mettons, 0. Me faire juste non. Je sais pas si je vais faire ça parce que j'aimerais me garder peut-être des petites cartes. Ah, who cares? Who cares? Il me reste 1800 de valeur. On va en refaire. Ce sera pas long, les petits paliers, je m'en viens. J'ai juste des petites cartes. Mais les paquets de cartes en vrac, là, c'est vraiment quelque chose de cool. J'ai enlevé aussi un petit mode, le petit mode qui me permettait de voir pis tout ça. Il me gossait un petit peu. Fait que j'ai décidé de l'enlever. Okay. Lui, il faut que j'aille reparler. Pas long parce que sinon, si j'y reparle pas et que je lui demande pas de stocker, il fera rien le petit bas. Oh non, ok, c'était ça qui faisait faire ça. Ah, j'ai le goût d'aller le remettre. 10$. Bah, je suis pas un fainéant quand même, si. Non. Ok, le total de packs s'est remis. J'avais peur que. Il se remette pas, mais finalement il s'est remis, fait que c'est correct. Ah, en plus, depuis tantôt que le jeu n'est pas pris en compte, c'est génial. Attendez, je vais pas vous faire ça de même en attendant, non? Voilà. Je sais pas pourquoi, mais ça voulait plus prendre le jeu en compte. Je sais vraiment pas pourquoi, je m'excuse pour cela. Mais bon, pour le monde qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, hein. Oh, la carte à 1514 vient d'être vendue. On est rendu riche. OK. Alors, je vais faire deux choses. La première, c'est que je vais le stocker ça et ça, parce que j'en ai plus. Et la deuxième, je vais agrandir deux autres fois. Pourquoi que je fais ça? Parce que j'aimerais modifier un petit peu mes choses ici. Voilà. Voilà, ça fait un petit peu plus beau comme ça, un petit peu plus professionnel. Il reste encore 500 balles. Oh non. C'est pas ce que je voulais en faire.
Il va me rester une... Oh, ça, ça va valoir cher, pareil. 336$. T'as 19. T'as 19 que je lui redois. Le magasin, il roule à plein régime aujourd'hui. C'est bien, 70$. J'ai pas ouvert de pack aujourd'hui. Peux-tu non? Oh yeah, je peux acheter une nouvelle série. On en a acheté 3. Je vais en acheter un. Je peux acheter ça, mais j'ai plus d'oseille. Ben, ça, c'est littéralement tout ce dont j'aurais de besoin. 43$. Peux-tu acheter la carte à 40? Ah, à 400? Non. Bien sûr que non, madame. Je veux pas aider ton magasin local. Et où ma carte à 500? Waouh, 500. Elle a chuté, elle valait beaucoup plus cher il y a comme une journée. Juste. Hello, 0$. Il me fallait combien? 700. J'ai plus de ça, j'ai plus ça. Là, j'en ai plus non plus. Ça, on est correct. Allez, les petits gens, il faudrait que vous m'achetiez encore plus. Bonjour, monsieur. 5$ pour vous, merci. Je vais sauvegarder. Au cas où. Que j'ai. Ah non. Ah oui, mais je pense pas que quelqu'un en a acheté. Non. Je vais le laisser comme ça. Parce que ça se vend beaucoup plus cher. Ah ben tiens, lui vient de m'acheter ma grosse carte. Merci, ben grâce à toi, je peux faire ma grosse commande. Il me reste 338$. Oh, quelqu'un qui pue. C'est une madame en plus. Je sais pas le rapport, mais bon, elle pue pareil. Je vais les mettre ici. Je sais pas combien qu'ils valent ceux-là. 8$ contre 5 contre 3. Hey, pratiquement le double. Juste avant. De toute façon, la vidéo n'est pas finie encore. Mais avant de partir, j'aimerais qu'on s'en ouvre parce qu'on s'est acheté une boîte. Que des nouvelles cartes. Que c'est beau. Les petits qui piquent. 34, 32. 7. 7. Ouais. À date, pas fameux, hein? C'est pas fameux. Là, je me rends à 750 pour acheter une grosse étagère pour faire ce que j'aimerais faire. Je me rappelle pas si il y a du monde qui attend à ma caisse. Oh, 99. Not bad. Oh, lui, il achète déjà des nouveaux packs. J'ai dit, mon magasin local, il a acheté des nouveaux packs. Ben, je m'en vais y en acheter direct. J'ai besoin de cartes, de boîtes de cartes rouges. Oui, mais je suis pas assez riche, moi. 2$. Hello, madame. 2$. Ok, j'ai plus de cartes pantoute. 66, 65. On manque 2. Je vais en mettre 2. Il y a quelqu'un qui pue, qui va partir de mon magasin tout de suite. Voilà. Je vais peut-être pas partir parce que je veux son argent. Ça pour ça, une pièce pour toi. Merci. Ok, fait que ce que j'aimerais acheter, c'est ça ici. Une étagère double face. Je vais la mettre ici. Que je vais mettre avec, c'est tous les petits packs comme ça, ensemble, avec ça de l'autre côté. Comme ça, ça va faire une genre, entre guillemets, une genre de petite synergie ensemble. Ça va être beau. Mais pour ça, il me faut de l'argent. Je l'ai bientôt, en fait. Peut-être avec lui, je pense que je l'ai 91$. Ouais, je l'ai pile en plus. J'aimerais qu'on set up ça ensemble avant la fin. Hey, en plus, c'est tout petit. Je vais en mettre plein. Dans le fond, j'aimerais faire ça. Comme ça. Ça va être long parce que j'ai comme pas de petite boîte. Mais c'est pas très très grave. Non! Finalement, j'en avais une boîte. Ouais. T'as pas prévu ça comme ça, par contre. Désolé si je parle pas trop. Je suis un petit peu concentré. C'est mon petit côté, par contre, quand que je joue à un jeu, je me concentre assez rapidement comme ça.
Enlève-moi ça tout de suite. Ça aussi. Écoute, là, je vais les prendre, je vais les ouvrir. Et je vais espérer qu'ils... je m'en mets pas. Allez, let's do. Oh, ouais, un petit dernier. J'aurais aimé ça avoir un hit. Parfait. Donc ça, c'est fait. Oh, désolé, il y a la file. Toi, je te dois 7$, merci. Next. Toi, je te dois 0, merci. Tout pile en plus. No, monsieur. Je dois 18. Merci, next. Oh, une belle petite carte à 75$. Prends bien. 5$, merci. 6$, merci. Et là, je vais faire la même chose avec ça. Bon, ok. Avec ceci étant fait, je vais pouvoir réorganiser un petit peu les choses. Oh, ça, je peux mettre ça en board, ça, je savais pas. Non, ça, je vais prendre ça. Voilà. Ça, c'est vide. Bon, déjà là, ça fait un petit peu plus propre comme ça. Pour la prochaine épisode que je risque de filmer tout de suite après, vous partez. On va faire pratiquement la même chose, sauf qu'on va en mettre plusieurs. C'est comme là, c'est un présentoir. Mais il faudrait que je déverrouille ça ici. Et ça ici quand je vais être niveau 16. Mais là, je ne le suis pas. Et là, après ça, j'aimerais faire la même chose avec les dés. La même chose ici avec les pochettes pour cartes. Ceux-là aussi que j'aimerais déverrouiller que... je mettrais avec eux. De toute façon, ça pour moi, c'est pas la même chose. Il y aurait tous ceux-là ici que je voudrais. Il y en a 4. Il y a quelques petites choses que j'aimerais qu'on fasse pour la prochaine épisode. Bon, évidemment, il nous faut de l'oseille, là. 23$. Soit 7. Non, 7, j'ai dit. Parfait. Donc aujourd'hui, je me suis fait 4000$. C'est quand même très bien. Et je me suis fait en gain de jeu. Ça, ici, bah, ça se prend bien. Fait que moi, les petits paldiens, je vais... arrêtez la vidéo ici. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre des commentaires pour me donner des astuces. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine épisode. Allez, bye les paldiens!